Au chapitre 29, et je lirai pour vous le verset 11. Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc la parole du Seigneur est bénie. Je vous invite à vous agenouiller avec moi, tandis que nous allons évoquer la présence. Je voulais
louange, empire, honneur soit à notre Seigneur, puisqu'il est Dieu et il règne sur son trône d'éternité en éternité. C'est avec reconnaissance, une fois encore ce matin de sabbat, le tout premier du mois de septembre, nous venons vers toi en signe de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous au cours des jours écoulés. Nous venons vers toi, notre Père et notre Dieu, avec le sentiment que nous ne méritons quoi que ce soit. Même le fait d'éprouver le besoin de te rencontrer, c'est une grâce. Et nous pouvons crier, Seigneur, haut et fort ce matin, à travers les miracles que tu as opérés au cours de cette semaine. Il y en a plusieurs qui sont sortis et qui sont rentrés à de multiples reprises. Saints et saufs, ils ont rejoint leur famille. C'est en ce sens que nous pouvons crier, Seigneur, Ebenezer, jusqu'ici, tu as été pour nous un secours. À côté de toute cette grâce, Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons avoir été désagréables à tes yeux tout au cours de cette semaine. Nous avons péché. J'ai péché contre toi, Seigneur, dans mes propos, dans mes actions et dans mes pensées. Ton peuple ici à Bethel, il a péché de diverses manières. En sorte que si tu devrais retenir nos actions, nos mauvais propos, pour prononcer quelconque jugement à notre endroit, nous sommes sûrs et certains que nous ne pourrions jamais, en aucune façon, comparaître devant toi. Mais grâce à Dieu, à ton nom, nous avons été traités au travers des mérites de la croix et à travers le sang de Jésus qui a été coulé pour nous sur le bois infâme du calvaire. Ce sang nous donne autorité à nous présenter devant toi, Seigneur, saint et irrépréhensible, irréprochable, parce que nous avons été lavés et purifiés par le sang de Jésus. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi ce matin avec nos manquements, nos faiblesses, nos maladies de toutes sortes. Nous sommes malades physiquement, spirituellement, mentalement, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons te recommander ton peuple à genouiller à tes pieds ce matin. Où qu'il soit, Seigneur, à la maison ou à l'église, nous voulons te prier en leur faveur. Nous voulons te réclamer cette délivrance que tu as promis. Seigneur, interviens en faveur de chacun de tes enfants en particulier. Et qu'au sortir de ces lieux, notre Père et notre Dieu, nous tous, nous ayons le sentiment d'avoir été visités par le ciel et que nous devenions, Seigneur, de meilleurs adorateurs. Nous voulons te prier pour les dirigeants de ton œuvre et nos dirigeants, Seigneur, politiques également. Ils sont devant toi. Ô notre Père et notre Dieu, fais grâce. Alors que les temps que nous vivons se révèlent de plus en plus difficiles, mais donne-nous, Seigneur, de laisser nos yeux rivés sur toi. Nous sommes sûrs et certains que nous ne serons pas déçus. Tout ce que nous avons à craindre, Seigneur, c'est d'oublier combien par le passé tu as été bon pour nous, Seigneur.
fais grâce. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te présenter de manière spéciale ton serviteur, le pasteur Erol Norilus. Pas besoin d'un regard en profondeur pour constater qu'il est fait de chair et de sang, qu'il nous ressemble à tout point de vue, en sorte que nous pouvons dire qu'il est comme nous. Mais la seule différence à ce matin, il a été mis à part pour un service spécial. Et nous savons, selon ta parole, que tu n'appelles pas ceux qui sont qualifiés pour ton service. Mais ceux que tu appelles, Seigneur, tu les qualifies. En sorte que nous n'avons rien à craindre pour lui, alors qu'il va prendre la parole pour nourrir ton peuple. Place-le, Seigneur, sous l'influence directe de ton esprit, de telle sorte qu'il se révèle un instrument puissant en ce matin, et que ton message soit délivré, ton peuple soit édifié et sauvé. Seigneur, relève-nous de cette position, que notre prière est montée jusque par devant ton trône, et qu'elle redescendra sous nous en rosée de grâce et de bénédiction, puisque nous t'avons prié. Au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.